Bonjour. Alors l'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'un exercice de deuxième année à la base, qui comporte une question supplémentaire qu'a priori vous ne pouvez traiter qu'en deuxième année, qui concerne la réduction de matrice, et qui change un peu du coup la logique de l'énoncé. Vous trouverez l'énoncé et la correction de cet exercice de deuxième année, je précise, donc en description de la vidéo. Donc notre énoncé à nous, a priori première année, c'est, ou deuxième année qui révise, c'est voilà, on vous donne la matrice suivante. M qui est cette matrice, on vous dit qu'on note O3 la matrice nulle de M3 de R. On vous demande d'abord de montrer que l'on peut écrire M égale D plus N, où D est une matrice diagonale, et N une matrice de M3 de R, telle que, quel que soit K supérieur ou égal à 2, N puissance K égale la matrice nulle. Donc D la puissance 2, les puissances de cette matrice deviennent nulles. Et on vous demande ensuite de déterminer, pour toute entité naturelle N, l'expression de M puissance N en fonction de petit n. Vous pouvez vous donner, je pense, une vingaine de minutes, ça me paraît raisonnable, pour réfléchir et chercher et trouver, éventuellement. Correction. Alors, montrer qu'on peut écrire M égale D plus N, où D est une matrice diagonale et N une matrice qui vérifie ça. Bon, ce qu'on a envie d'écrire, a priori, on verra si. Enfin, pour la matrice diagonale, ça ne me semble pas très compliqué, mais pour la matrice N, on va voir si c'est bien celle qui reste. Bah, M s'écrit tout simplement cette matrice, qui est une matrice diagonale, plus cette matrice, avec un 1 en haut à droite, et des 0 partout ailleurs. Donc cette matrice est bien diagonale, donc si celle-ci vérifie bien ce qu'on nous demande, à savoir que n carré vaut 0 et donc toutes les puissances au-dessus de 2 valent 0, bah c'est bon. On le sent bien, a priori. Donc si je calcule cette matrice au carré, qu'est-ce que ça me fait? Bon, je peux m'appuyer sur mon brouillon. Ah, bon, je vais le faire par excès de zèle un peu. Bon, le brouillon en général c'est utile pour pas s'en mêler les pinceaux entre lignes et colonnes. Mais là, on voit tout de suite arriver la chose. Première colonne nulle, puisqu'on multiplie par la première colonne qui est nulle, deuxième colonne nulle, deuxième ligne et troisième ligne nulle. Et il reste ce petit coefficient qui vaut 0 aussi. 0 fois 1, 0 fois 0, 0 fois 1, on somme, ça fait 0. Ok, donc ça fait déjà la matrice nulle. Ok, et donc si on note n cette matrice, donc posons, je sais juste par pseudo-prudence que j'ai dit, je ne vais pas l'appeler d tout de suite, je vais pas l'appeler n tout de suite avant d'être sûr que c'est les bonnes. Posons d égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Et n égale bah, cette matrice. On a n carré égale la matrice nulle. Donc, quel que soit k supérieur ou égal à 2, et bah, n puissance k, bah, ça fera aussi la matrice nulle. On peut dire soit par récurrence immédiate, bah oui, si je fais, si je peux, je peux, comment dire, je peux raisonner par récurrence et dire bon bah je montre ça pour tout k supérieur ou égal à 2, et l'hérédité devient très simple. Pour passer de n puissance k plus de n puissance k à n puissance k plus 1, je fais n puissance k fois n, et donc ça fait matrice nulle fois n, et ça me fait la matrice nulle. Ou alors je peux tout de suite dire que n puissance k, dans ce cas-là, c'est n au carré fois n puissance k moins 2, en précisant bien que k moins 2 est un entier naturel. Attention à ne pas écrire une puissance négative d'une matrice. Si elle n'est pas inversible, ça peut poser problème. Une puissance n puissance moins 5, ça voudrait dire, dans le cas où n est inversible, l'inverse de n, n puissance moins 1, le tout à la puissance 5. Non, enfin, on ne sait pas si elle est inversible, en l'occurrence, elle ne l'est pas ici, bien évidemment. Et avec la convention qu'une matrice à la puissance 0, ça fait l'identité. Donc là, j'ai n carré fois une matrice, mais n carré, ça fait 0. N puissance k, enfin, ça fait la matrice nulle, quoi. Ça fait la matrice nulle fois une autre matrice, donc ça fait la matrice nulle, quel que soit k supérieur ou égal à 2. On a bien montré que l'on pouvait écrire m sous cette forme-là avec d diagonale. Donc, j'ai pas dit que d était diagonale, mais bon. Ok. Et n, une matrice. Ce qu'on appelle une matrice nilpotente, en fait, une matrice nilpotente, c'est une matrice qui, élevée à une certaine puissance, va me donner la matrice nulle. Donc là, n est nilpotente, d est diagonale, donc on a réussi à décomposer m de cette manière. Ok, quel est l'intérêt de cette question? Bon, on va le voir. On nous demande en question 2 de déterminer pour toute entité naturelle n, m puissance n en fonction de n. Et là, on a très envie de faire quoi? Bon, bah, d plus n, le tout à la puissance n, petit binôme de Newton, avec cette magnifique aubaine qui est que n puissance k est égal à la matrice nulle à partir de k égale 2. Donc dans notre binôme de Newton, il y a plein de choses qui partiraient. Sauf que pour faire le binôme de Newton, il y a une petite formalité quand même. C'est que dans le monde des matrices, il faut s'assurer que les matrices que je somme commutent.
Donc D est n commute. On va vérifier si D est n commute. Donc Dn, ça nous fait eh bien, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, facteur de ce petit 1 en haut à droite. Je calcule. Bon, je ne refais pas le brouillon, vous pouvez le faire en brouillon si vous voulez. Donc première colonne nulle à cause de celle-ci, deuxième à cause de celle-là. Et là, je calcule, donc ça fait 1 fois 1, 0, donc là, ça fait 1 en haut, là, ça fait 0, 0, 0, là, ça fait 0 aussi. Donc dn, remarque que ça nous fait n. Ok, soit. Et nd, ça nous fait, dans l'autre sens, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Donc 0, 0, 0, si je ne dis pas de bêtises. Les deux dernières lignes, sont nulles à cause de ces deux lignes. Ce coef-là, 0 fois 0, 0 fois 1, 1 fois 0, ça nous fait 0. Là, ça nous fait... Ah, bah ça nous fait 2. Dn différent de nd. N et d ne commutent pas. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le binôme Newton. C'est la seule raison pour laquelle j'aime cet exercice. Parce qu'en fait, c'est un classique, ça, de décomposer une matrice de cette manière, voir que les deux commutent, faire le binôme de Newton et s'arranger avec soit une matrice nilpotente, soit à un moment donné la matrice identité, soit une matrice égale. Voilà, trouver un truc sympa avec le binôme de Newton, mais là, ça ne commute pas, et les élèves imprudents qui vont se lancer directement dans le binôme de Newton sans s'assurer du fait que D et N commutent, eh ben, ils sont morts dans cet exercice en tout cas. Donc là, c'est vraiment un exercice piège, méchant, purement méchant, c'est ben, la 2, la 1 ne sert pas malheureusement. Voilà, la 1 nous a poussé à l'erreur, M égale D plus N, D est diagonale, N est nilpotente, mais non, ça ne va pas servir. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'expression de M puissance N en fonction de N? Alors, on n'a pas d'autre choix que peut-être essayer de se dire, bon, je vais regarder les premières puissances. Alors j'ai M, je connais, donc je remets M, M c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, ok. Je vais calculer M au carré, mon petit brouillon ici, donc tac... Qu'est-ce que ça nous fait m au carré? Ça nous fait alors 1, tac, 0 fois 1, 1 fois 0, 0 fois 0, 0, 0, 0, pas de bêtises, 1 fois 1, 3, du coup, 1, 0 fois 1, 1 fois 0, 0 fois 2, 0, 0 ici et 4 ici. Voilà m au carré. Bon, qu'est-ce que c'est que ce machin? M au cube. Dans l'exercice original, il y avait une question préliminaire, enfin une question 1 que j'ai pas faite ici, qui concerne justement une réduction de matrice, et qui nous permet de faire autre chose que ça. Mais ça, c'est pas non plus ultra difficile, c'est de se dire, bon, je vais essayer, j'espère trouver une relation, conjecturer une forme sympa en fonction de n, et ensuite la démontrer, bah, par récurrence, par exemple, là, puissance de matrice, montre ça par récurrence, ça peut être sympa. Donc ok, donc ça c'est m au carré, si je multiplie encore par m, que ce soit à gauche ou à droite, ça ne change rien, bien évidemment, ça me fera m au cube. Donc, 1, là ça me fait 0, là ça me fait 0, là ça me fait 0, là ça me fait 1, là ça me fait 0, là ça me fait 7, bon, 7, là ça me fait 0, et là ça me fait 8. Qu'est-ce que je peux observer de sympa? Là tout de suite, bon, je vois déjà quelque chose, mais pour en être certain, on va refaire un dernier calcul. Je multiplie par ici, par là, ça fait, eh bien, toujours ici, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 15, et là ça me fait 0, et là ça me fait 16. Qu'est-ce que je remarque? J'ai l'impression de voir, donc là, le 15, le 7, le 3, etc., vous pouvez encore réessayer de faire un autre calcul pour voir quelque chose. Moi, je vois déjà quelque chose. Donc, les 16, le 16, le 8, le 4, le 2, là, en bas. Donc, déjà, tous les autres coefs sont les mêmes. Les autres coefs ici, et là, c'est toujours la même chose. Le 16, c'est une puissance de 2. Donc, j'ai l'impression que c'est des puissances de 2. Donc pardon, là, c'était m puissance 4, que je ne perde pas. Et je remarque que le coef en haut à droite, c'est toujours le coef en bas à droite, moins 1. Je ne sais pas si vous avez remarqué, 4, 3, 8, 7, 16, 15, 2, 1. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme conjecture? Eh bien, qu'on va démontrer par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N,
m puissance n serait égal à 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc là, je mettrai du 2 puissance. Alors, je me demande si c'est n ou n moins 1. Non, c'est bien puissance n, de telle sorte que m puissance 1. Donc je me demande si c'est n ou n étoile. Donc je vais voir pour si n égale 0, ça marche. Donc 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, 8. 2 puissance 4, 16. Ça a l'air d'être ça. Et en haut, ça serait 2 puissance n, le tout moins 1. Donc en haut à droite. Et remarquez que pour n égale 0, ça marcherait bien. Ça ferait la matrice identité. Parce que ça ferait 2 puissance 0, 1, moins 1, 0. Et là, ça ferait 1, donc ça ferait bien la matrice identité. Donc on va le montrer par récurrence. Donc ça, on va appeler ça Pn, la propriété Pn. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand n, P de n est vrai. Initialisation, on peut mettre IHC, initialisation, réalité, conclusion, bien sûr, vous ne mettez pas ça sur vos copies, vous écrivez en toutes lettres. Initialisation pour n égale 0, eh bien, d'une part, m puissance 0, ça fait i3, on l'a vérifié en fait, mais c'est voilà, pour faire bonne figure, donc et 1, 0, 2 puissance 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2 puissance 0, bah, ça fait i3. Donc, p de 0 est vrai. On fait bon, R qui ne sont pas distinguables. Donc, hérédité, supposons que pour un certain n appartenant à grand n, P de n soit vrai. Et montrons P de n plus 1. Bien, on suppose en fait que m puissance n s'écrit comme ça, et on veut calculer m puissance n plus 1 en espérant pouvoir remplacer le n par n plus 1 dans l'expression. Je calcule m puissance n plus 1, en fait, ça me fait tout simplement m puissance n fois m, ou alors m fois m puissance n, comme je veux. Et du coup, bah, j'utilise l'hypothèse de récurrence, qui me dit que m puissance n, c'est 1, 0, 2 puissance n moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2 puissance n, le tout multiplié par m, qui vaut 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2 en ligne. Je calcule ça, donc on va y aller, tac, on laisse un peu de place, donc 1... Tout simplement, 0, 0, deuxième colonne, donc 1 fois 0, 0 fois 1, 2 puissance n moins 1 fois 0, ben 0 toujours. Donc 1 ici, tac, tac, ici 0. Troisième colonne, 1, 2 puissance n moins 1, le tout fois 2. Ça fait donc 2 puissance n plus 1 moins 2, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je raconte? Je dis des bêtises parce que j'ai oublié le 1 fois 1, donc plus 1, donc en fait 1 plus 2 puissance n plus 1 moins 2. Donc ça va faire 2 puissance n plus 1 moins 1. Parfait. 0 fois 1, 1 fois 0, 0 fois 2, ça nous fait bien 0. Et 2 puissance n fois 2, ça nous fait 2 puissance n plus 1. Donc P de n plus 1 est vrai. Et la conclusion de tout ça, c'est que le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure que, quel que soit n appartenant à grand n, eh bien, m puissance n n'est autre que cette matrice-là. 1, 0, 2 puissance n moins 1, 2 puissance n, pardon, le tout moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2 puissance n. Voilà, donc c'était juste pour le piège, enfin, vraiment vous marteler le fait que je ne peux utiliser le binôme de Newton sur les matrices, pour des matrices, que lorsque ces matrices commutent. Commute au sens de la multiplication, bien évidemment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.